هذا النور شفاء صدور. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، شيخ خير الإسلام، nous entamons nos propos par vous saluer, par la salutation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour cette communauté, en vous disant assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite notre entreprise et qu'il nous y apporte plein succès. Un succès qui dépasse nos attentes. Cela lui est facile. Et lui seul est capable de le faire. Tout à l'heure aussi, un des frères m'a demandé de vous rappeler le programme qui est retenu ici. Du lundi au vendredi, entre les prières de Maghrib et de Isha, donc Timis et Gay, que le programme est le suivant. Le lundi, on aura, Inch'Allah, un dars qui porte sur At-Tawhid, le monothéisme. Le mardi et le mercredi, ce sera des dars Coran arabe que les frères font à l'endroit du grand public aussi, pour ceux qui sont inscrits. Les jeudis sont réservés aux dars de hadith portant sur le livre Al-Arba'un al-Nawawiyyah, les 40 de hadith regroupés par Imam al-Nawawi. Ce dars est animé par Ustaz Sid Yahya Kunta. Et les vendredis, vous aurez Manhaj al-Salikin, qui est un livre qui parle de la jurisprudence, fiqh, qui sera animé par un autre frère dont le nom m'échappant, Ustaz Mohamed Koulibaly. Celui qui assure les dars de Manhaj al-Salikin les vendredis entre Maghrib et Isha. Le livre qui est choisi par les frères qui ont initié ces rencontres pour les lundis s'appelle Al-Arba'una fi Tawhid, c'est-à-dire un recueil d'une quarantaine de hadiths portant sur le monothéisme. Et le frère devant vous, qui a la lourde tâche de s'entraider avec vous, est un humble, modeste apprenant qui a jugé utile et nécessaire de se mettre là, face à vous, pas comme en tant que savant, mais en tant qu'élève, apprenant, qui va réviser avec vous, s'entraider avec vous sur ce livre-là. Encore une fois, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la tâche, car elle est énorme, et l'ambition aussi est grande. Mais toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite devient facile par sa miséricorde. Maintenant, le monothéisme, donc le thème qui est choisi ici par l'auteur, nous le verrons
à l'intérieur du livre, quand on entamera les hadiths qu'il a recueillis, que c'est ce qu'il y a de plus important pour Allah subhanahu wa ta'ala à l'égard de ses créatures. Car c'est son droit exclusif qu'il attend de ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala étant le seul maître et ayant créé ses créatures, il leur a ordonné et enjoint qu'ils lui reconnaissent tous les droits qui lui sont exclusifs et qu'il ne l'associe en rien dans ces droits-là qu'il s'est réservé. C'est pourquoi, de tout temps, il a rappelé ce droit-là à ses créatures. Et quand il s'est senti nécessaire d'envoyer même des messagers pour remettre les gens sur le droit chemin, il l'a fait lui Allah subhanahu wa ta'ala. Il a envoyé des messagers, il a révélé des livres pour que ce droit-là ne soit pas bafoué, que ce droit soit toujours respecté. Et c'est ainsi que l'auteur, dans ses objectifs, a voulu faire ce livre-là pour, comme il le dit, d'abord faire un rappel à lui-même, mais aussi un rappel à tous ses frères musulmans, et faciliter aux musulmans d'avoir un livre de poche qui les rappelle constamment et qui leur permet aussi continuellement de préserver ce droit-là et de se conformer à cette recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir d'exercer le tawhid, le monothéisme. Nous pouvons aussi, toujours en guise d'introduction, revenir sur le premier pilier de la foi. Comme nous le savons, Jibril alayhi salam, un jour est venu au messager sallallahu alayhi wa sallam, de la part de son Seigneur, pour enseigner aux musulmans leur religion. Une fois arrivé, la première question qu'il a posée au messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est de savoir c'est quoi l'islam. Le messager lui a dit que l'islam porte ses cinq piliers. Avant tout, c'est d'attester la ilaha illallah. Accepter qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et y joindre, donc à cette attestation, l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est serviteur d'Allah et son messager. Donc nous avons là le premier pilier. Et c'est lui aussi qui matérialise, comme on le dit, kalimatul tawhid, la parole du monothéisme. Donc c'est la porte d'entrée dans l'islam. La ilaha illallah, le tawhid. C'est aussi le fondement de la religion musulmane. Tout ce qui reste de l'islam est bâti sur ce pilier-là. C'est quand on atteste la foi, qu'on accepte que seul Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré, qu'on l'accepte dans son cœur, ou bien qu'on le prononce, même si on l'accepte pas dans son cœur, par sa langue, qu'on est considéré comme étant musulman. Et c'est dès lors qu'on commence à nous demander maintenant de prier que vient le deuxième pilier. C'est sur ce fondement qu'on demande à l'individu maintenant de donner la zakat, de jeûner et de faire le hajj. Donc là nous remarquons combien ce pilier est capital et sine qua non dans la religion musulmane. Car c'est le premier engagement qu'il faut prendre avec Allah subhanahu wa ta'ala et le premier engagement qu'il faut prendre avant avec son messager pour faire partie des musulmans. Ensuite, Jibril lui a demandé c'est quoi la foi. Le messager lui a donné les six piliers de la foi. Il lui a dit que la foi, c'est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, de croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, croire au jour dernier
de croire au destin, qu'il soit bon, donc agréable, ou bien qu'il ne soit, ou bien qu'il soit désagréable pour l'individu. Et parmi ces six piliers aussi, le premier c'est de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand on dit croire en Allah, il faut que l'individu regroupe quatre éléments pour que sa croyance en Allah soit valide et acceptée par Allah. La première des choses est que l'individu doit être convaincu dans son cœur, dans son fort intérieur, qu'Allah existe. Que quand on dit Allah, ce n'est pas une idée reçue. Ce n'est pas ça Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on dit Allah, ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des légendes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe réellement. Il faut que l'individu soit convaincu de cela dans son cœur, qu'il l'accepte. C'est le premier élément de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une façon de le faire et une preuve. Mais vous savez, quand on parle parfois à quelqu'un qui n'accepte pas l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous lui dites Allah a dit, il vous dira, moi je ne reconnais pas qu'Allah existe, et tu me dis qu'Allah a dit. Donc là, il ne faut pas lui réciter des versets. Il faudra pas aussi lui dire que le messager d'Allah a dit. Pour lui, Allah n'existe pas, donc il n'a envoyé personne. Donc là, pour le convaincre, s'il est vraiment raisonnable et honnête avec lui-même, vous allez du point de vue de la logique. Et comme disait un autre qui n'est même pas musulman, il dit que réfuter l'existence d'Allah, c'est réfuter l'existence même des créatures. Parce que toutes les créatures acceptent qu'elles ne se sont pas créées. Et c'est ce qui est vrai. Personne d'entre nous ne peut se prévaloir d'être son créateur. Donc la personne peut se poser la question, d'où venons-nous alors? D'où vient cet univers? Il y en a qui ont l'esprit assez renversé pour dire que l'univers vient du chaos. Mais même là aussi, si vous raisonnez avec eux, ils verront que ça ne tient pas la route. Donc rien que l'existence des créatures, cela prouve l'existence du créateur. Et Allah le dit, « Am khuliqu min ghayri shay'in, am hum al-khaliqun. Am khalaqu as-samawati wal-ard, bal la yuqinun. » Ceux-là qui réfutent l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien qui acceptent qu'elle existe, mais qui ne l'adorent pas seul, se sont-ils créés eux-mêmes? Ou bien ils viennent de nulle part? Donc posez la question à la personne, est-ce que toi tu t'es créé? La réponse est non. Viens-tu de nulle part? La réponse sera non. Il dit encore, ou bien ont-ils créé les cieux et la terre? Toutes les créatures qui sont sur la terre ou sous les cieux ont trouvé ici les cieux et la terre. Donc ils ne peuvent pas se targuer d'avoir créé les cieux et la terre. Le proclamer, ça deviendrait, ou bien ça reviendrait à proclamer sa folie aussi. Hein. Toute personne qui dit que j'ai créé les cieux, c'est comme si elle disait qu'elle est folle. Parce que c'est ici qu'elle a trouvé les cieux, c'est ici qu'elle a trouvé la terre. Donc elle ne peut pas les avoir créés. Maintenant, qui a créé les cieux? Qui a créé la terre? Avons-nous déjà entendu une créature dire que la terre et les cieux lui appartiennent? Est-ce qu'il y a eu lieu pour l'instant? Non. Et pourtant, Allah lui dit qu'il a créé les cieux et la terre. Il est le seul à avoir réclamé cela. Il dit que c'est lui qui a créé les cieux, c'est lui qui a créé la terre. Donc c'est une preuve que ça lui appartient. Il est le seul à l'avoir réclamé. Et toute personne qui le réclame, elle-même, elle saura en son intérêt que ce n'est pas vrai. Parce qu'elle les a trouvés ici. Comment peut-on avoir créé quelque chose qui nous a précédé? Comment peut-on créer quelque chose qui nous a précédé? On vient, on trouve ici la terre et les cieux, et on dit qu'on les a créés. Ça deviendrait marcher par la tête, quoi. Ce sont des preuves qui sont basées uniquement sur la logique
ou bien sur la raison, pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il existe. On ne peut pas ne pas nier son existence. Si on le fait, on l'a fait tout simplement par orgueil. Mais à son intérieur, on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Et cela même, actuellement, et bien avant même, ceux qui parfois se disent qu'ils ne croient pas en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tôt ou tard avant leur mort, ils vont reconnaître qu'il existe. Ils le reconnaissent. Parce qu'ils arriveront au moment où ils seront contraints de savoir qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui ne veulent même pas mentionner son nom sont obligés de dire que c'est la nature. C'est quoi la nature finalement? C'est la nature. Ou bien ils disent que la terre vient du chaos. Alors que si vous leur disiez, d'accord, vous prenez une montre, vous la mettez en pièces détachées, vous mettez dans un sachet, vous remuez, et attendez que la montre redevienne montre. Ils vous diront que c'est impossible. N'est-ce pas? Donc, comment cette terre-là, ou bien cet univers, avec tout ce qu'il a comme organisation, calculé au millimètre près, avec des ordres de tout, peut venir du chaos? Ça aussi, c'est un argument contre leur argument. Ça montre que ce n'est pas raisonnable. Vous leur dites que j'ai trouvé là-bas une maison, bien construite, mais personne ne l'a construite. La maison est apparue comme ça. Ils vous diront que c'est impossible. Donc comment veulent-ils maintenant que cette terre-là et ses cieux viennent de nulle part? Encore une fois, les exemples sont nombreux pour prouver l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, rien que par la raison. Maintenant, quand on va au niveau de la religion, pour ceux qui sont déjà convaincus, là encore c'est beaucoup plus vaste. Il y a les livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a les miracles qu'il a produits à travers ses prophètes. Il envoie quelqu'un, les gens refusent. Ils lui disent, demande à ton Seigneur s'il existe de faire telle chose. Et Allah le fait. Donc s'il le fait, cela veut dire qu'il existe. Prenons le cas du prophète Saleh, alayhi salam. Quand il a appelé son peuple, ils ont refusé. Et bien une partie du peuple a refusé. Un jour, ils lui ont dit, pour qu'on accepte ton message, il faudrait que tu nous fasses sortir de cette pierre-là, ou bien de cette montagne, un chameau qui porte un enfant, qui soit de telle couleur, de telle taille, ainsi de suite. Ils donnent tous les critères qu'ils veulent. Après avoir fini, Salih s'est retiré. Il a prié le nombre de rak'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il prie. Ensuite, il a levé ses mains, il a dit, oh Allah, je t'implore de faire sortir un chameau qui a les caractéristiques qu'il vient de dire. Au même en parlant, il ne retenait même plus ce qu'il avait dit. Et quand il a fini de faire son invocation, la pierre s'est fendue, le chameau est sorti. Tel qu'ils l'ont dit. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala n'existait pas, il n'allait pas entendre cette invocation. Il n'aurait pas la capacité d'exaucer la demande de son messager. Il l'a fait à une reprise. Il envoie quelqu'un, les gens refusent. Il demande des preuves et Allah subhanahu wa ta'ala produit la preuve. Ce qui montre qu'il existe. C'est le cas aussi de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam. À un moment, les Mekwa ont tellement refusé qu'ils lui ont demandé, dis à ton Seigneur maintenant de fendre la lune. Si ton Seigneur est capable, qu'il fende la lune. Le messager a demandé à Allah et Allah a fendu la lune. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. Ce qui est aussi une preuve de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même nous le sentons. Parfois on est dans des difficultés. On lève nos mains et on demande à Allah uniquement. Il répond à notre demande. C'est parce qu'il existe. C'est parce qu'il est aussi capable de faire ce qu'on lui a demandé. Donc autant de preuves du point de vue de la religion pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe. Donc sur ce point-là, le croyant ne doit pas avoir de doute. Il doit être convaincu qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe bel et bien. Que ce n'est pas un mythe,
que ce n'est pas une légende, que ce ne sont pas des contes, que ce n'est pas une imagination, mais qu'Allah existe. Le deuxième élément qui compose la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'après avoir reconnu son existence, reconnaître et accepter que lui seul est le maître. Que tout ce qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala appartient à Allah. Qui qu'on puisse être, qui que l'on soit, on appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est le deuxième élément de la foi en Allah. Et ne pas avoir de doute là-dessus. Allah dit, Allahu khaliq kulli shay, que c'est lui Allah qui a créé toute chose. Donc tout ce qui n'est pas Allah est créature. Et toute créature appartient à Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé et vos œuvres aussi. Même ce que nous fabriquons, nous les humains, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le fabriquons à partir de la matière qu'il a créée, lui Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le fabriquons dans son univers. Nous-mêmes qui fabriquons, nous lui appartenons. Donc ce qui nous appartient, lui appartient. Donc avoir cette conviction-là, que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître. Et il est le seul capable à créer. Et puisque c'est lui qui a créé, donc tout lui appartient. Et dès l'instant que tout lui appartient, il est le seul à avoir le droit d'ordonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à avoir le droit d'ordonner à ses créatures. Faites ceci, délaissez cela. Tout autre ordre doit venir après celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la primauté sur ses créatures. Et l'enchaînement des points que nous allons citer, c'est ce qui facilite aux croyants, s'ils arrivent au bout du processus, de se soumettre facilement à Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'accepter qu'il est maître, il faut d'abord accepter qu'il existe. Et n'avoir aucun doute là-dessus. Si ce problème est réglé, maintenant, on passe au point suivant. Accepter que c'est lui le maître. Que c'est à lui que nous appartenons et à personne d'autre. Pourquoi nous lui appartenons? Parce que c'est lui qui nous a créés. Et personne d'autre, c'est lui qui nous a créés. Il est le seul maître des créatures. Yalla dongo moy borom diani. Il n'y a aucun autre qui mérite ce qualificatif. C'est lui le maître des créatures. Et puisqu'il est le maître des créatures, il est le seul à avoir le droit d'ordonner à ses créatures. Allah lahu al-khalqu wal-amru. Il est le seul à avoir créé. Donc il est le seul à avoir le droit d'ordonner. Lui Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant ses commandements, lui Allah il les a divisés en deux parties. Il y a des commandements sur lesquels il ne nous laisse pas le choix. Nous sommes obligés de les suivre. Il nous a créés en tant qu'être humain qui doit manger. On va forcément manger. Que l'on accepte son existence, que l'on accepte qu'il est notre maître ou pas, on se plie à ce commandement-là parce qu'il ne nous a pas laissé le choix. Il a décrété que quand on vit, on va vieillir. Ça force, on ne peut rien du tout. Que l'on soit croyant ou mécréant, on se plie à ce commandement-là parce qu'il n'a pas laissé le choix. Il dit qu'un de ces jours-là, on va quitter ce monde. On se plie à ce commandement. Il a créé son univers et il a mis des lois que l'univers est obligé de respecter. Là aussi, on se plie à ces règles-là. On n'y peut rien du tout. Donc, il y a des commandements universels qu'il a établis pour lesquels les créatures n'ont pas de choix. Que l'on accepte son existence ou pas, que l'on croit en lui ou pas, on est obligé de se plier. Ensuite, il a fait des commandements. Donc les législations pour les êtres humains et les djinns en religion. Et il leur a laissé maintenant le choix. Il a dit sur ce point-là, je vous laisse le choix. Mais je vous donne aussi des recommandations. Si vous les acceptez, vous aurez mon agrément. Si vous les refusez, vous aurez mon courroux. Son agrément mène vers la réussite.
son courroux mène vers la perdition. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, en tant que maître des créatures, il est le seul à avoir le droit de donner des commandements. Et quand on insiste sur ce point-là aussi, encore une fois, ce n'est pas du point de vue des commandements universels, parce que là, on n'a pas le choix. Mais c'est du point de vue des commandements religieux. Le terrain sur lequel il nous a laissé le choix de nous dire, vous pouvez accepter comme vous pouvez refuser. Ensuite, il a décliné les conséquences de l'acceptation et du refus. Si on règle ce point-là, arrive maintenant le troisième point, le troisième élément de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire croire en sa divinité. Si on accepte que c'est lui seul qui a créé, logiquement, on doit accepter qu'il est le seul à être adoré. C'est pour cela que les savants disent, à chaque fois que l'individu a du mal à accomplir l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que quelque part en amont, il y a une faiblesse au niveau de l'acceptation de la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux sont liés. Plus on accepte qu'on est serviteur d'Allah, plus il est facile pour nous de faire ce qu'il nous demande de faire. Et c'est pour cela que vous verrez dans le Coran, à chaque fois qu'il parle des prophètes, le qualificatif le plus élevant qu'il leur donne, c'est de dire son serviteur. Regardez quand il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمَّا قَامَ عَبُدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ. Quand le serviteur d'Allah s'est levé en invoquant Allah, vous verrez plusieurs fois dans le Coran, il dit Abdullah, que c'est un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pas pour le rabaisser, mais pour montrer que c'est le point culminant. Plus on accepte notre servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera facile pour nous de l'adorer comme il l'a recommandé. Maintenant, adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans lui donner d'associé. Parce que là, les individus aussi, à ce niveau, se répartissent en plusieurs groupes. Il y en a qui refusent de croire en lui, de l'adorer. Ce sont les mécréants. Mais il y en a qui acceptent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la divinité, qu'il mérite d'être adoré. Mais le problème, c'est qu'il ne l'adore pas seul. C'est ça le problème. Quand on dit que tel est associateur, cela ne veut pas dire qu'automatiquement il est mécréant. Il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Il adore Allah. Mais le problème, c'est que dans son adoration, il associe à Allah. Ce qu'il devait faire uniquement pour Allah, il le fait pour Allah et pour un autre ou pour d'autres. Et c'est là aussi une tâche vraiment à gommer, à enlever. Et nous verrons l'importance dans ce livre du monothéisme et les dangers qui sont liés à l'association d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier élément de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de croire et accepter au nom des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que lui, Allah, a informé à voir à travers son livre ou bien à travers des enseignements de son messager. Quand il nous dit que tel est son nom, il faut accepter que, ça, que ce nom-là fait partie des siens. Quand il nous dit qu'il a tel attribut, il faut accepter aussi cet attribut-là. Ne pas nier, pensant que quand on nie, on est en train de magnifier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que s'il dit qu'il a tel nom, et on dit que non, il n'a pas ce nom-là, on est en train de le contredire. Donc on voulait le magnifier, de montrer qu'on respecte Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on croit en lui, mais finalement on est tombé dans le travers, dans ce qui est interdit. C'est-à-dire de mécroire à ce qu'Allah a informé. Donc on accepte ces noms, ces attributs, tels qu'il les a dit dans son Coran, ou bien à travers des enseignements de son messager, sans nier, sans façonnage. Donc essayez de donner des exemples pour dire que cet attribut
Voilà comment on le représente. Ce qu'on appelle le tamsil. Il faut éviter tout cela. Donc, accepter de la même façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par son essence, est supérieur à ses créatures, que ses noms et ses attributs aussi sont supérieurs aux attributs de ses créatures. Même s'il peut y avoir des ressemblances au niveau des appellations. Allah peut dire qu'il a un attribut dont l'appellation est semblable à un attribut d'une créature. Mais la réalité des choses est différente. Donc, et pour cela, la règle que les savants établissent le plus souvent, c'est de dire de se conformer à ce qu'Allah dit dans l'autre verset, dans la sourate Ash-Shura, lorsqu'il dit « Laisse comme celui-ci fait » que rien n'est semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est audient et clairvoyant. Donc accepter que rien ne lui ressemble, il n'y a rien du tout qui ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est audient, ça veut dire qu'il entend. Nous savons que nous aussi créatures nous entendons, n'est-ce pas? Donc l'appellation est la même. Nous entendons, Allah subhanahu wa ta'ala entend. Mais dire que c'est semblable, c'est ça, c'est ce qu'il faut éviter. Allah subhanahu wa ta'ala, son audience est donc sciée à son essence, à sa grandeur, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour savoir cela, le messager nous dit qu'entre la terre et le premier ciel, il y a une distance, si je ne m'abuse, de 50 000 ans de marche. Entre le premier ciel et le deuxième, la même distance. Le deuxième et le troisième, la même distance. Quatrième et cinquième, même distance. Cinquième et sixième ciel, même distance. Sixième et septième ciel, même distance. Après le septième ciel, il y a une mer, ou bien si vous voulez, une rivière, ou bien un fleuve. Entre les deux bords, c'est la distance entre deux cieux. Donc 50 000 ans de marche. Après cette mer-là, il y a le Kursi. Après le Kursi, il y a Arsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du Arsh. Et il n'y a aucun son qui émane sur terre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'entende pas. Et c'est ce que disait notre mère Aïcha. Elle disait que lorsque la femme est venue au messager pour se plaindre sur son mari, elle disait que elle, notre mère Aïcha, elle était dans la chambre. Tantôt elle entendait un peu de ce que disait la femme, mais tantôt elle n'entendait pas. Parce que la femme s'entretenait avec le messager et ne voulait pas que les autres sachent de quoi elle parle. Et pourtant Allah Santala a révélé un verset en disant « قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ » Ainsi de suite. Allah, de là où il est, il dit que j'ai entendu les plaintes et complaintes de la femme qui vient se prendre au sujet de son mari. Vous voyez que les appellations sont les mêmes, mais il n'y a pas de comparaison possible entre les deux audiences. Donc, qui peut imaginer la distance qu'il y a entre ici et le Arsh? On ne peut pas se l'imaginer. Et de là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala entend tout ce qui se fait sur terre. Il est clairvoyant, il voit tout, lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager dit qu'une fourmi noire qui marche sur une roche noire dans une nuit sombre où il n'y a pas de lumière, Allah subhanahu wa ta'ala la voit sur cette pierre-là. Fourmi noire sur une roche noire, dans des ténèbres, dans une nuit sombre, où il n'y a ni étoile, ni lune, ni rien du tout. Il voit la fourmi. Entre nous, si on est dans une chambre fermée, dans la nuit, on n'arrive même pas à voir la paume de notre main. Ou bien, on n'arrive même pas à voir la paume de notre main. Donc, nous voyons, mais c'est seulement l'appellation qui est semblable. Mais la réalité n'est pas la même. Donc, sur ce point aussi, pour ne pas trop se fatiguer, accepter la règle que Allah
a édicté, à savoir que rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est audient, il est clairvoyant. Donc, voici les quatre éléments, chers frères, qui composent la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, pour mettre en pratique cette foi, les autres éléments vont suivre. C'est pour cela qu'il y a maintenant l'islam, tout ce qui est recommandé, tout ce qui est interdit, ainsi de suite. Maintenant, le livre proprement dit, je l'avais dit tantôt, il parle du monothéisme, donc à savoir rendre à Allah tous les droits qui lui sont exclusifs. C'est ça le tawhid, de façon simplifiée. C'est reconnaître à Allah et lui rendre tout ce qui lui est exclusif. Maintenant, pourquoi l'auteur a choisi de faire un recueil d'une quarantaine de hadiths? Il dit qu'il l'a fait pour imiter nos pieux prédécesseurs, les prédécesseurs savants, parce qu'il y a beaucoup parmi eux qui ont écrit des livres, des recueils dans lesquels ils regroupent une quarantaine de hadiths. Il y a par exemple l'imam An-Nawawi qui a écrit un recueil de 40 hadiths qu'il a appelé Al-Arba'un An-Nawawiyya. Il y a par exemple l'imam At-Tusi qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'in. Je pense que ceux qui ont lu le livre, vous pouvez regarder, hein, à la page 3. Il y a l'imam Abil Faraj, Muhammad ibn Abdurrahman, lui aussi il a écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'ina fil Jihad. Ibn Asakir, Al-Arba'ina fi manaqib ummahat al-mu'minin. Le savant Ibn Hajar, qui a écrit aussi un recueil de 40 hadiths qui s'appelle Al-Imta'u fil Arba'ina al-Mutabayina al-Sima'. L'imam Al-Bayhaqi, Al-Arba'una al-Sughra. L'imam Al-Iraqi, Al-Arba'una al-Ashariya. Ibn al-Qasim, Ali ibn al-Hasan ibn Hibatillah, lui aussi il a écrit un livre qui s'appelle Al-Arba'una fil Hafs 'an al-Jihad, et d'autres savants qui ont écrit des livres. Il dit que ce qui les a poussés à faire ces livres-là, de recueil de 40 hadiths, c'est un ensemble de hadiths qui, du point de vue de la chaîne de transmission, il y a des problèmes sur les hadiths qu'il va citer. Il reconnaît qu'au niveau des chaînes de transmission, il y a des problèmes. Mais le fait qu'on les regroupe ensemble, ces hadiths-là se fortifient entre eux. Et que puisque ces savants prédécesseurs ont eu à appliquer ces hadiths-là, il dit que lui aussi, il les imite pour faire un recueil de 40 hadiths qui vont porter sur le tawhid. Donc, parmi ces hadiths qui ont poussé les savants à faire des recueils de 40 hadiths, il y a celui qui est rapporté par As-Suyuti, rahimahullah, dans son livre d'exégèse de Coran, en mettant sa chaîne de transmission, il est allé jusqu'à Abi Nu'aym, qui a pris de Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit que selon le messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui mémorise et protège pour ma communauté 40 hadiths, des hadiths qui leur sont utiles, on lui dira le jour de la résurrection, entre au paradis par la porte que tu veux. Donc choisis la porte que tu veux pour entrer au paradis. Donc, il dit que certains savants
ce sont des hadiths comme celui-ci qui se sont basés pour faire le recueil de 40 hadiths. Mais n'oublions pas qu'il a dit que tous les hadiths qu'il va citer ici ont des problèmes au niveau de leur chaîne de transmission. Hein. Al-Imam al-Bayhaqi aussi a rapporté dans son livre Shu'ab al-Iman avec une chaîne de transmission qui lui est propre jusqu'à Abu Huraira radiallahu anhu où il dit que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui parcourise ou bien celui qui garde pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam 40 hadiths qui leur sont utiles dans leur religion, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection avec les savants. Soit il le ressuscitera en lui donnant la rétribution d'un savant, ou bien il le ressuscitera et le mettra dans le groupe des, dans le groupe des savants. Et il dit que le mérite du savant sur un adorateur qui n'est pas savant est de 70 degrés. Donc, un savant est 70 fois meilleur que quelqu'un qui est adorateur sans science. Ah, tendance à dire Alim et Abid. Donc, quelqu'un, par exemple, qui s'active beaucoup dans les prières, qui s'active beaucoup dans le jeûne, ainsi de suite, dans les actes d'adoration, mais qui n'est pas savant, le savant est 70 fois meilleur que lui. Et il ajoute que seul Allah subhanahu wa ta'ala sait la distance qu'il y a entre deux darajas, entre deux rangs. C'est comme si on disait, par exemple, en termes de comparaison, juste un exemple, que l'adorateur est au rez-de-chaussée et que le savant maintenant est au 70e étage au-dessus. Il dit maintenant, la distance qu'il y a entre chaque étage, seul Allah sait la distance-là. Ce qui veut dire que le savant est de loin meilleur que l'adorateur sans science. L'imam Tamam al-Razi, il dit dans son livre, lui dans sa chaîne de transmission, il dit que Ibn Abbas, donc Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit d'après le messager, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui conserve pour sa communauté, donc pour la communauté du messager, sallallahu alayhi wa sallam, 40 hadiths portant sur sa sunnah, sur sa tradition, que le messager serait pour lui, le jour de la résurrection, un intercesseur. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi il a apporté ces hadiths-là. C'est parce que ceux qui ont fait ces livres-là, ils voudraient profiter de ces faveurs. C'est pour cela qu'ils ont fait ces livres. Donc, être ressuscité avec les savants, avoir l'intercession du prophète le jour de la résurrection. Que l'on ait le privilège d'entrer au paradis par la porte qu'on a choisie. Il dit aussi, dans un autre hadith de Anas ibn Malik radiallahu anhu, que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui conserve 40 hadiths pour sa communauté, Allah le ressuscitera le jour de la résurrection, faqihan, aliman, un savant. Donc il le ressuscitera savant, aussi parmi les savants. Donc tous les hadiths parlent de cette façon. Hein. Donc soit c'est l'intercession, ou bien d'avoir le privilège d'être parmi les savants, ou bien d'entrer au paradis
par la porte qu'on a choisie. Donc ce sont ces divers hadiths précités qui ont poussé le savant ou l'auteur à faire ce livre-là. En ayant aussi l'objectif pour lui de faciliter à la communauté musulmane de conserver ce tawhid. Et à travers les livres qu'on a cités tout à l'heure aussi, on voit que leurs domaines d'intervention sont différents. Il y a des hadiths, il y a des livres parmi lesquels, donc les 40 recueils, qui avaient pour objectif de garder des hadiths qui parlent du djihad par exemple. Il y en a d'autres qui conservent autre chose, mais lui, il a choisi dans son livre d'apporter des hadiths qui ne parlent que du tawhid, que du monothéisme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se suffire de cette introduction. Et si Allah nous l'accorde, à partir du lundi prochain, nous allons entamer le corps du livre par le premier hadith. والله أعلى وأعلم وصلى الله على النور شفاء صدور قد وطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق.